D'accord. Oui, Ellie, viens, viens 2 secondes, on va chercher. J'arrive. On a perdu la petite Vaiana là. Il y aura le matin, le midi, le soir, c'est la folie des bananes. On mange des bananes. C'est bon les bananes? Me manque une banane. Mais t'es en train de la manger là, mon cœur. Maman, il te fera des gâteaux à la banane? Non. Non, tu veux juste manger la banane comme ça? À toi. Mmh. Oui, t'as trouvé les bananes. Alors, coucou tout le monde. Je voudrais pas me faire gronder parce que j'ai oublié de vous dire bonjour parce que j'avais la tête dans le nuage. Aujourd'hui à 14h30 j'ai un rendez-vous pour une interview avec Octoli. J'emmène Eliora d'ailleurs, c'est pas très très loin de la maison donc c'est ce qu'on va faire. Il fait toujours super moche. Bon ça y est, nous on est prêtes. J'ai toujours une petite migraine qui traîne, mais ça c'est la fatigue parce que hier je me suis couchée tard, il devait être 2h, 2h30. Avec Eliora qui s'est réveillée, j'attendais Loïse, j'attendais des nouvelles de Laure aussi parce qu'elle était aux urgences et du coup je me faisais du souci. Là maintenant du coup on a mangé, on est lavé, on est prête, on est habillée, on est coiffée. Regardez-moi ce petit bébé d'amour. T'es belle. Et on file chez Octoly pour mon interview. Donc pour l'instant je sais pas du tout quand est-ce que ce sera en ligne, quand est-ce que ce sera monté et tout ça, parce que je sais qu'ils ont une chaîne YouTube. Et puis bah du coup je vous mettrai le lien dès que je l'ai, je vous en reparlerai dès que je l'ai. On y va chérie? Oui. Tu prends Vaiana que t'as laissée par terre là? Regarde, elle est là. Okay. Ah vas-y. Maman prend Vaiana. T'allumes la lumière? Encore? Vas-y. Appuie. Plus fort. Maman, elle fait avec toi? Vas-y. Voilà, bravo. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'interview de maman. Tiens, prends Vaiana avec toi. Non, c'est maman qui la garde. Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Attends, vous êtes flou. Il y a la team Octoly, enfin une partie de la team Octoly, une toute petite partie de la team Octoly. Et du coup, avec Ellie, on va se faire interviewer. C'est toi qui réponds aux questions, chérie? C'est toi qui réponds? Bon bah ça y est, nous on a fini, tout le monde est en train de ranger ses affaires. Hop, et toi aussi tu t'en vas? Tu t'en vas où là? Tu vas te faire mal, chérie. Tu vas te faire mal. Bon, nous on est bien rentrés, faut que je pose des affaires dans l'entrée là. Mon sac. Et... Oui, je vais te le mettre au début, chérie. Et là du coup... Je mets Vaiana au début, chérie. Tu veux quoi? Je comprends pas ce que tu veux là. Tu veux Vaiana?
sens un bébé fatigué. Tu te mets dans le canapé, maman, elle va te mettre. Vas-y. Ah d'accord. Pour l'interview, je vous préviendrai quand elle sera en ligne, je vous balancerai le lien. Là, pour l'instant, c'est pas avant juin, donc on a un petit peu le temps, on a encore un bon mois. Et là, je vais m'occuper d'Eliora qui est crevée. Oh mon dieu, qu'est-ce que t'as fait, chérie? T'as dessiné à la craie partout, par terre, là. Non, mais c'est pas drôle du tout, chérie. Allez, va dans ta chambre. Non, mais vous allez rien voir, mais ce temps, c'est juste une catastrophe. Je crois qu'il grêle. Je sais pas si vous allez voir. En tout cas, vous allez entendre la catastrophe que c'est dehors. Je suis fracassée et j'ai envie de ma dose d'Harry Potter. Donc j'hésite soit... Non, je crois que je vais mettre sur l'ordinateur un Harry Potter. Sinon, je le disais, mais non, en fait, non. Non, 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 non. Pendant que maman regarde Harry Potter, Eliora est en train de lire. Tu lis quoi, mon amour? Hein? Tu me montres? C'est quel livre? Oh là là! C'est le livre du loup. Oui, t'aimes bien les loups, toi, de toute façon. À table, bébé. Qu'est-ce que tu fais avec les chaussures? C'est cordon bleu bio ce soir. Hop. Papa, il y a deux chaussures. Papa, il y a deux chaussures. Papa, il y a deux chaussures. Miam, miam, miam. Bon, ma poupée, elle a bien mangé. Là, ça va être l'heure du dodo et ça va être compliqué. Elle veut pas que je change sa couche. Elle veut pas aller se coucher, rien. Ça va être compliqué. T'as mis la musique, mon cœur? Tu veux l'iPad de maman? L'iPod de maman? Maman, elle comprend rien. Je veux l'iPad de maman. Tu veux l'iPad de maman? Oh. Parfait, c'est le caca quand même, non? Ouais. Et au côté là-bas, les chaillots dans le bas de maman. Il y a maman, il y a des pattes. Mais il y a des branchés, lui, ou quoi? Ouais. Maman, elle est aussi. Tu sais, oh, ça va, musique? Comment bien, musique? Dis papa, mais maman? Non. T'as fini, maman? Tu pues le caca? C'est ma oui, c'est Mayana. Ça, c'est qui? C'est ma oui. Tiens. C'est Maui Hachou. Oui, c'est la maison de Maui. Et ça, c'est qui? C'est Mayana et Titi. Le cœur? Plus Titi, je vais. Le cœur de Tefiti. C'est quand on dit ça, la gueule de Titi. Oui, c'est qu'elle veut le cœur de Tefiti. Tiens, tu prends Mayana? Tu prends ça aussi? Oui, ça aussi. Alors, on va défaire ça. Et ça aussi. Ça aussi. Oh, on va pas te laisser les cheveux attachés pour dormir quand même. Non. Mais... Attends. Écoute. Oh. Oula. Comment ça se fait que ça fait des nœuds là? Ah, yeah. Attends. Attends, je veux pas tirer. Si on tire, ça va faire mal. Donc je défais les cheveux. Oh, t'es fini. Voilà. Maui et Mayana. Ouais, au dodo avec Eliora. Ouais, Maui, ouais, dodo. Oh,
J'ai marché sur le chien. Yes. Elle est là à la place de maman. Bon, tu te dis quoi? Tu te dis bonne nuit les pandas. Bonne nuit, mon gars. À tout à l'heure. Tu dis à demain. Non, on se retrouve tout à l'heure. Bon, ici, ça ronfle bien. Ils s'endorment facilement. Elle était fatiguée. Moi, du coup, là, je vais manger. Je vais allumer les lumières. Je vais bosser un petit peu. Et puis, voilà. Non, j'ai pas de problème à l'œil. Je suis en train de me démaquiller parce que je vais aller me coucher. Pas que je parle trop fort non plus. C'est pour toutes celles qui pensent que je me démaquille pas le soir. Si. Mais en fait, il en reste toujours un peu, moi, sur mon œil. Je sais pas, je dois avoir l'œil trop creusé, je sais pas. Comme j'ai pas envie de m'arracher les cils, je vais pas y aller à un truc de ouf. Trop fort. Bon, là, il est tard. Je me suis un peu laissée avoir par YouTube parce que j'étais en train de regarder des vidéos. Il est minuit et demi. Genre, ça m'arrive jamais. Jamais le temps de regarder les vidéos de mes copines. Et là, j'ai regardé les vidéos de Roxane. Et. Enfin, Roxane Mila Baby Chou et de Lauriane de la chaîne Lauriline 79. Et j'ai trop kiffé parce que les deux elles ont déjà reçu l'overboard et je suis censée le recevoir aussi. Non mais il y a un petit souci. Donc je sais pas dans combien de temps je vais avoir remarqué, c'est pas plus mal comme ça on fait pas toutes les mêmes vidéos en même temps. Mais j'ai trop hâte. Je profite du retour pour voir où ça en est. Et je me demandais si je pouvais le faire en poussant la poussette. Je pense que ça va être mon défi overboard à moi. Ce truc là, depuis que c'est sorti, j'en rêve. J'ai un peu l'impression qu'on va tous devenir des Marty McFly dans Retour vers le futur avec tout ça. Et je me dis que ça doit vachement muscler les jambes et le ventre. Si on en fait assez quoi. Si on en fait souvent. Parce que du coup c'est tous les muscles qu'on sent pas qu'ils agissent pour vraiment que je me mette au sport. C'est une catastrophe. Je me suis fait un tableau sur Pinterest avec des défis sur 30 jours et tout ça. Je vais voir si je me lance. Voilà. C'est fait. Si ça vous intéresse, j'utilise le micellaire Ultra à la Roche-Posay que je trouve très très bien. Et sinon, j'utilise aussi la Garancia, la Marabout de Garancia qui est juste extraordinaire. Celle-ci, elle est bien, mais je trouve qu'après, il faut quand même nettoyer. Enfin, il y a besoin des fois de passer deux fois alors qu'avec la Garancia tout part d'un coup. Enfin voilà, je vais y mettre un petit peu de crème et je me mets en pyjama et je me mets au dodo. Du coup je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.